Et tout de suite après qu'on se soit quitté, let's go. Du coup, l'intrigue, j'avais pensé à faire le docteur. Ah, j'ai raté ma chance. Carrément. C'est trop tard. On va se faire un chevaux des mers du coup. Est-ce que j'ai des données à récupérer dans ce film-là? Non. Bon bah pour la dernière cible, je lancerai un explosif dessus et puis après, je m'occuperai des intrigues une à une. Ah oui, c'est avec lui qu'il y a nos bugs. Il y avait un gif avec ça. Bon, en fait, comment dire, si tu lances un objet, comme les objets ils sont téléguidés et que lui, du coup, il fait des mouvements, bah, du coup, si tu lances au moment où il accélère, bah, tu vas avoir un objet qui va te suivre tout le temps. Jusqu'au moment où il va s'arrêter, ce qui devrait être Da. Et où Da, en fait, finalement, l'objet va lui arriver sur la tronche et la sauver. Et maintenant, la clé vers la catastrophe est activée. Encore ces cocodines. I saw Voilà. this guy just trying to strangle someone. Who is the fucker? Do we have a description? I don't have a clue. It seems like it. Peut-être qu'elle va être rapide, celle-là, comme mission. Propriété privée, hein. Ouais, mais attends. On a acheté un peu paumé. Mais non. Ouais, je suis un peu paumé sur ce qui vient de se passer, je dois vous dire. Donc, je vais recharger. En fait, je pensais que, comment dire, les clés redonneraient à une personne, à la personne, en fait. On sait pas que c'était à son endroit, mais du coup, au niveau géographique, il était un peu paumé, mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. Pensais pas que Bradley c'était l'une des cibles en fait. Hein, Steven? Parfait. Du coup, on a refait. Voilà, c'était à peu près à cet endroit-là que je pensais qu'il allait redonner les clés. Bon. Ah oui, merde, n'hésitez pas encore.
Bon, moi, ça va m'enlever de, quand ça s'appelle, de compromis. De toute façon, on n'avait plus besoin d'être Tobias Reaper. Et cette fois, on les zigouille tous, ceux-là. Regarde, où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Là. Parfait. Voilà comment on fait. Non, qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ah, et ça doit être le fameux bateau. On va voir si on peut pas s'amuser à faire certaines choses. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Tonne de mer. Ok. Qu'est-ce que c'est que cette musique? Bizarre. Bon, enfin. Installer un explosif T commandé, j'en ai pas. Bon, ça c'est chiant. Après, dans un sens. Du coup, je sais exactement ce qu'il faut faire. Kittenben. Un déchet à la mer. Il fallait vraiment que tu tiens avec une arme de sang silencieux. That is Stephen Bradley, notorious hacker, chief programmer at Haven, and rumored to be quite reckless in his behavior. Notre coco, ok. Et voilà. Normalement, ça doit être réglé. Faut juste que j'attende que l'autre fasse son truc.
Bon, c'est probablement foutu. Je vais pas rester, si c'est possible, ou c'est ce que je vais faire. Hop. Je vais nidoyer les clés, faire exploser le machin, et ce sera réglé. Et après, je passerai à une autre opportunité dans la vidéo suivante, du coup. Pas besoin de d'exploiter commandé quand on a un flingue. Oups. Oh, tout ça c'est pour faire notre tour et revenir ici. Petit poiscaille. Mais c'est qu'est-ce qu'ils reviennent ici, ça ou? Non, ils s'en foutent. Ah, ça y est, une arme est terminée, enfin. Mr. Bradley, are these yours? Dude, I've been looking everywhere for those. You just made my day. I am gonna tear the sea a new one. Thank you. All right, let's see how well Mr. Bradley controls that water scooter of his. Get good. Lovely day. Bon, du coup, bah, qu'est-ce que. Qu'est-ce qui m'énervait encore? Mais qu'est-ce qui. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tant mieux s'il tourne ce con. Il va pas me faire comme Tarantinos pendant un off. D'abord j'étais en train de refaire la mission de Gabi. Puis la Sarah qui était allée. Non c'est bon. Qui avait marché dans l'eau, tout simplement. Il avait marché dans l'eau jusqu'à l'infini. De la marina jusque quand il y en a. Et c'était devenu un point rouge. Du coup, bon bah je tirais quelques coups. Et elle a fini par comment dire. En fait, on a dit qu'elle marchait sur un certain niveau d'altitude. Puis quand j'ai tiré, en fait, elle est tombée. Et puis, bon, bah, évidemment, bah, ses antennes sont faites pour pleurer, etc., etc. Mais bon. C'est quand même un peu bugué, Hitman 2, comparément au 1. Enfin, plus que le 1, en tout cas. Bon, du coup, en attendant que l'autre il calme, il se calme un peu, je vais lancer avec le liste commandé. Enfin, j'ai pas d'être liste commandé, du coup, je vais faire avec. That is Tyson Williams, CEO of Hell, voilà. A reputed paranoid tyrant. Williams is known for his bad temper and heavy handedness. Tyson Williams eliminated. Excellent work, 47. Parfait. Just one more target to go. Par contre, j'ai entendu un croix. Donc, il y aura peut-être encore des grenouilles à récupérer, comme la bombée. Ah, ça, c'était un peu difficile. Ouais, de toute façon, c'était les premières fois que tu le vois. Tu cours après. Tu cours après, elle se barre comme ça. Du coup, en fait, il faut s'en approcher comme ça pour qu'elle ne s'enfuit pas.
Du coup, ça peut être un peu rageant, par exemple, de te balader et de voir le truc au bout du coin de l'œil, de te baisser et en fait, c'est trop tard. Tu ne savais pas, mais il y avait une grenouille là. Du coup, toi, recommencer ou recharger la dernière save. Bon. Bon, par contre, du coup, toi. Tu décides à essayer ton nouveau bateau? Ouais, ça a pas l'air, hein. Bon, bah. So, Je vais that's décider Stephen ton choix à ta Bradley taken place. care of. Well done. That's all we need to Ah do bah from du coup je peux here. lui piquer les clés. Miss Hall should be able to extract the information needed from the Haven servers. Good work, 47. Les voilà. Il y a plus d'orage, c'est assez sympa. Ça veut dire qu'une chose, soit il y a des événements, soit ça servira à un easter egg. Je vais m'échapper aussi tout de suite par avion. Et puis après, je vous laisserai là et j'essaierai de, comment dire, faire des autres intrigues. Gaz vomitif. Je vais juste m'échapper dans l'avion pour des points de maîtrise. Et puis après, je ferai les autres opportunités. Et puis après, là comme ça pour de mon côté, j'aurai complète trou libre sur les défis que je veux faire. Puis après, je me retrouverai sans doute sur des tâches ou des choses comme ça. Récupérons quand même quelques petits costumes en passant. Ah oui, ça va faire un petit tour. Bon, bah allons-y. Ça c'est bien les, comment dire, les voies d'échappatoire sont bien réparties. Bon, enfin. Bon allez, je me dirige vers l'avion et je vous dis salut à tous et à plus. Ça se sent qu'ici il doit y avoir 2-3 gardes en mètre. Enfin. Allez, lunettes. La cinématique. La cinématique en fait de Solid Man 2 avant que ceux-ci comptent mettre plus de missions. On verra. Qu'est-ce que j'ai débloqué? Rien. Bon allez.
How was your time in paradise? Productive. Right. We should hear from the others soon. We're in. Whatever your robot did back on the island, it worked. Let's see. Yeah, here we are. You found them? Yeah, right here. But... no, wait a minute. Something's off. See here? All those controlling shares, those are basically the backbone of the Providence Empire, but they're not going to the new partner identities. What do you mean? I mean, they're allocated to someone else. Everything is. The partners are left with no real control. Who is Arthur Edwards? The Constant. Message from Olivia. Everything's going to plan. We know where the partners are. We have our targets. You're almost there, old friend. Feels good. Note, bizarre. On dirait que ça a bugué. Enfin bref. T'as dit à tous et à toutes.